macam de merde. Je suis désolée, il en manque un peu, mais mon frère en a bouffé, il a failli crever. Ça va, t'énerve pas. Il s'est bien éclaté au moins. Parce qu'elle est top. Putain, mais t'es conne ou quoi? Je suis en train de t'expliquer que t'as failli faire crever mon frère! Ça aurait été une bonne solution. Quoi? T'aurais été débarrassée de lui. Avoir un frère autiste, c'est vraiment un boulet, non? À vous. Tu parles pas comme ça, mon frère. Il sait rien faire tout seul. Il sait pas parler, tout le monde le traite de débile. D'ailleurs, c'est normal parce que c'est un débile. Moi, j'ose lui dire. Tu sais quoi, tu ferais bien de le faire aussi, ça serait bien. Putain, ta gueule! Ta gueule! Réfléchis, c'est pas une vie pour lui. Hein? Comment tu peux être aussi dégueulasse? Parce que je dis ce que tout le monde pense. Ton frère, il aurait mieux valu qu'il crève. Une bonne petite overdose. Comment tu peux parler comme ça devant moi? Parce que tu me saoules avec ton frère autiste. Y a pas que toi qui a des problèmes. Lui, il vit sa vie, il bouffe, il dort. Il fait chier tout le monde. Et en plus, faudrait qu'on le plaigne. Ta gueule! Tu vas fermer ta gueule, putain! Elle essayait même pas de se défendre. Elle souriait en plus. C'était horrible.